Bienvenue dans votre bulle de bien-être. Aujourd'hui, je vous propose un petit exercice d'auto-hypnose rapide qui vous permettra simplement de vous détendre. Bien entendu, j'attire votre attention sur un point particulier, celui de ne jamais faire cet exercice lorsque vous conduisez ou lorsque votre activité vous demande toute votre attention. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'hypnose ? L'hypnose est un état naturel entre veille et sommeil. Un état de conscience modifié où vous n'êtes plus tout à fait ici et pas tout à fait ailleurs. Bien, commençons cet exercice très simple. Installez-vous confortablement, en position assise, le dos bien en appui contre le dossier de votre chaise ou de votre fauteuil, les deux pieds bien à plat sur le sol et les mains reposant simplement sur les cuisses. Parfait. Prenez à présent une profonde inspiration. Essoufflez doucement par la bouche. Inspirez par le nez et expirez doucement par la bouche. Une dernière fois, inspirez par le nez et expirez, videz doucement et profondément. Relâchez votre corps. Posez-vous déjà un peu plus dans la détente. Très bien. À présent, fixez un point devant vous, à quelques centimètres au-dessus de votre vision naturelle. Votre regard se lève, votre visage, lui, reste immobile. Imaginez simplement qu'un fil invisible relie vos pupilles à ce point devant vous. Soyez curieux de remarquer que vous êtes capable de voir la couleur du mur devant vous, la couleur du sol ou encore la lumière qui arrive par la fenêtre alors que vous ne les regardez pas. Remarquez également que vous pouvez entendre, sans vraiment les écouter, les bruits autour de vous. Peut-être le bruit d'une pendule ou alors celui de votre respiration ou encore des bruits un peu plus lointains. Beaucoup plus lointain. Il est curieux également de remarquer le contact du dos sur le dossier sur lequel il repose. La sensation des pieds qui touchent le sol. Le poids des mains sur les cuisses. Et le corps qui se soulève et qui s'abaisse au rythme de la respiration régulière. Le point s'est peut-être transformé, peut-être bouge-t-il ou va-t-il très rapidement se mettre à se déplacer. La vue s'est peut-être rétrécie à moins qu'elle ne se floute avec de plus en plus de picotements. Soyez curieux de remarquer à quel moment les paupières vont cligner de façon différente et se fermer lourdement quand vous l'aurez décidé, ou peut-être même alors que vous ne l'avez pas choisi et elles ont atteint cette lourdeur qui les fait tomber. Et alors que tout devient plus lourd,
vous descendez de plus en plus profondément à l'intérieur de vous. 5, la détente s'installe. 4, un peu plus. 3, de plus en plus. 2, de plus en plus profondément. 1, la détente s'est parfaitement installée. Et alors que les yeux se reposent, posés derrière les paupières fermées, le bras droit à son tour devient plus lourd, à moins que ce ne soit le bras gauche ou le pied gauche ou l'épaule droite. Et s'il s'agissait de l'épaule gauche qui était plus légère ou encore le pied droit, observez laquelle des deux mains est plus lourde ou moins légère que l'autre. Il serait curieux de remarquer laquelle se soulèverait en premier, peut-être la gauche ou alors la droite. Un doigt peut être plus léger qu'un autre, un simple mouvement imperceptible, ou au contraire un doigt qui se soulève, ou la main tout entière. Une légèreté, comme si des ballons d'hélium venaient les soulever. Des ballons légers, légers, légers qui montent de plus en plus haut, de plus en plus légers. Peut-être un doigt se lève-t-il, peut-être une main, peut-être les deux, peut-être simplement des picotements très légers ou une température différente. Tout est tellement léger, tellement léger, que même les pensées sont légères, les sensations sont légères, les émotions sont légères. Ce courant léger vous berce et vous allège. Vous vous sentez tellement léger, tout est tellement léger. Laissez-vous aller à cette légèreté. Vous pouvez peut-être profiter de cet instant de légèreté pour voyager par l'esprit, découvrir un paysage aux mille couleurs, du vert, du bleu, la douceur du soleil sur la peau, la brise du vent, le murmure du vent. Laissez-vous porter et laissez venir à vous ce que votre inconscient vous propose en cet instant. Ce qui vient à vous est exactement ce dont vous avez besoin. Sentez-vous libre d'explorer et d'être léger. Léger, tellement léger. Progressivement, vous revenez dans votre respiration légère et lente, lente et douce, comme une vague. Un
vous entrez en contact avec votre respiration. 2, vous reprenez conscience de la pièce dans laquelle vous êtes, les bruits, la lumière. 3, vous ressentez votre dos, vos mains, vos pieds. 4, votre corps est assis sur son support. 5, vos yeux peuvent s'ouvrir et vous êtes ici et maintenant dans votre réalité, parfaitement réveillé et en pleine forme. Prenez le temps de respirer profondément, inspirez, expirez, bougez vos mains, vos pieds, étirez-vous, bâillez et respirez. Merci à tous pour votre écoute. Avant toute chose, prenez bien soin de vous. Et je vous retrouve très bientôt dans votre bulle de bien-être.